Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. J'ai juste ouvert en haut, voilà. Et avant, je vais peut-être préciser, il y aura une autre vidéo avant celle-ci que j'ai pas encore postée, qui est donc un des DP mignon. Vous l'aurez vu, sinon, si vous l'avez loupé, vous savez qu'il y a ce petit porte-clés à voir. J'attends encore pas mal de choses, mais j'ai l'impression que les colis restent en fait un temps après réception dans le pays. Je pense qu'ils doivent rester un temps en quarantaine parce que j'ai à chaque fois que j'ai un avis de réception d'arrivée dans le pays, j'ai 3 semaines de délai entre le moment où on me dit qu'il est arrivé au pays et le moment où il finit dans ma boîte aux lettres. Donc là, je viens seulement de recevoir les marque-pages que j'avais reçus, commandés en même temps que les mignons, pour vous dire un peu. J'ai encore un DP avec des fleurs que j'ai commandé pour mon bureau qui est arrivé au pays, qui est en attente. J'ai des porte-clés Mickey et des porte-clés Mini et une commande mais qui a seulement été là expédiée cette fois d'un grand DP. Je remets ça, c'est-à-dire que j'en suis à la fin de La Belle et la Bête. Il me reste 20 cm en bas à faire, donc 20 sur 40. Et j'ai récidivé, j'ai recommandé un très grand parce que j'ai vu qu'il faisait des prénoms avec une image personnalisée derrière et donc j'ai fait le prénom de mon fils en pas de patrouille et pour que ça rentre bien il fallait prendre, alors j'ai pris le minimum qu'il fallait prendre pour que ça rentre bien et donc j'ai pris un 30 par 90 cm. Légèrement plus petit que la Belle et la Bête, mais ça reste du très très grand. Donc voilà, j'ai également commandé, ça y est, le cadre pour mettre la Belle et la Bête. J'espère le recevoir intact, croisant les doigts. Et j'ai comme ça, voilà, quelques commandes qui sont en cours d'arrivée. On va parler aujourd'hui de celle que j'ai reçue. Je vais lui dédier une vidéo parce que, comme j'arrive pas en ce moment à vloguer régulièrement, il y a Loulou derrière. Interruption de l'enfant. Donc, je vous disais, on va se concentrer là sur uniquement l'unboxing parce que, comme j'arrive pas en ce moment à prendre la caméra régulièrement, c'est un peu compliqué. Je cours un peu partout. Les comptables comprendront. Voilà, fin de période fiscale difficile, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Donc j'en ai commandé 3, ils viennent chacun avec un kit je pense parce qu'en fait ils se vendent à l'unité, c'était pas un kit. Donc j'en ai commandé 3, je me répète, et donc ce sont ces motifs là. Donc celui-là avec un petit pompon, voilà, ça me fera des marque-pages pour mettre dans mes livres, non pas que je n'en ai pas déjà, mais là je trouvais ça sympa. Et puis ça me fait voilà des petits trucs à faire. Donc dans ce live, il y a des diamants spéciaux, des gouttes, je les vois là. Ils vont être magnifiques. Et à chaque fois, il y a un petit pompon au bout. Alors je mettrai ou je mettrai pas le pompon, je sais pas, je verrai. Et derrière, ils sont noirs tout simplement. Mais voyez, à chaque fois, il y a le kit et cela. Voilà, donc j'ai pris à chaque fois des effets mandala. Je voulais pas des animaux, j'avais peur que ça rentre pas bien. Donc j'ai pris des effets mandala. Je vais déjà faire cela, puis je verrai après si j'en recommande. Ah, le noir que vous venez de voir passer, c'est une mouche qui s'est posée. Voilà, donc vous avez aperçu le dessous d'une mouche en très gros plan. Je vais pas refilmer pour la mouche. Hein, voilà, vous voyez, elle m'énerve. On en est envahi. Je sais pas si c'est parce que le temps est orageux ou si elles sont attirées par autre chose, mais ça devient un peu pénible. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller nous y jeter parce que le loup se cache sur le balcon du côté où il y a le mur et où je ne le vois pas. C'est mauvais signe. Voilà, c'est qu'il est en train de m'en pondre une correcte. Donc, je vais y aller. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.